Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, suite du Let's Play. On va avancer un petit peu, on va continuer dans la zone des dragons, la zone des Drakes, le sanctuaire draconique. Alors il va y avoir toute une zone avec pas mal de petites choses à récupérer et à la fin un boss final. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je ne le ferai pas dans cette vidéo, c'est un boss qui est complexe. On n'est pas obligé de le tuer. Mais bon, il rapporte pas mal d'âmes et c'est un boss qui mérite une petite vidéo pour lui-même. Donc alors, on va commencer, on va avoir ce genre de gros chevaliers là qui vont être un peu partout. Notre avantage, on a des orbes. Ah, donc on en profite. C'est pas des chevaliers très rapides. Mais ils sont aidés là. Regardez là-haut, là on a un petit mage. Dans la tour là, qui nous envoie des petites boulettes. Et donc ils sont aidés par ce gars-là. Et une des premières choses à faire va être d'aller tuer ce mage. Alors, on a des petits endroits comme ça où on peut utiliser des persos de Pharos qui nous ouvrent des petits portails et nous donnent la possibilité de récupérer pas mal de coffres. Donc ici, le set complet du jugement avec le bâton de la sagesse. Alors le set du jugement, c'est celui-ci là. Il est où? Il est pas là, il est là. Voilà, c'est le set. Set intéressant mais qui a pas de bonus spécifique. Quant au bâton, c'est celui-ci, voilà. Alors lui par contre il est intéressant, hein. C'est un bâton assez puissant qui tape à 160 au niveau magie. Donc bâton mage, ouais il est très très intéressant. Il tape à 180, je dis des bêtises. On est à 180 au niveau magie là. Donc on continue. On va se planquer dans cette petite zone ici. Et on va y récupérer un autre coffre. Avec une assiette de feu. C'est là où on voit les assiettes de feu commencer à arriver d'un peu partout. Vraiment, elles nous serviront. Hein. Alors, on prend un peu de. Tiens, j'aurais pu me. J'aurais pu me remettre en forme humaine. Alors, ici, on va faire une chose assez simple. On va courir. Là. Pour esquiver ce petit gars et surtout aller dans la zone où on va avoir le petit mage là qui nous tire dessus. Une fois que lui on l'aura tué, ça sera beaucoup plus simple. Donc on passe dans cette zone, on avance tout droit, on fait attention, hein, y a un chevalier juste là. Et on va tuer notre pote le mage. Voilà, maintenant on est déjà beaucoup plus en sécurité. Toi mon vieux. À notre portée maintenant. Alors, on récupère ici une pierre trouble. Tu vas pas monter, non, tu montes pas. Voilà. Allez, viens, maintenant on a toute la place pour pouvoir le faire. Il est tombé. Bon, bah, très bien. Il est tombé, hein? Ouais. Il est tombé. Ici, un coffre. Une titanite scintillante. Alors si il est tombé, on peut peut-être la battre d'en haut, nous. Ils sont où les deux? Ils sont planqués. Ah, ils sont malins. Ils sont malins. Alors c'est pas grave, on va avancer de toute façon. On va aller tout à l'heure les tuer. Ici, là, il y a un petit terre-plein à aller récupérer, donc on va sauter. Et hop, aller sur ce petit terre-plein. Récupérer un coffre. Avec une grande hache de garde Drake et un grand bouclier de garde Drake. Alors le bouclier, il est superbe. Magnifique. Il est très lourd, mais il est superbe. Il est là. Déjà, il faut 37 pour le porter. Ah,
il est beau. Alors, je peux pas le porter, c'est dommage, mais il est beau. Pour un guerrier. De toute façon, ils ont un set complet qui est superbe. Hein. Qui est vraiment très beau. Donc nous, on reprend notre petit bouclier de Drawn-like. Bah, bouclier qui nous a bien servi. Hein. Quant à la hache, bah, c'est la même chose. C'est une très belle hache. Grosse hache de main, là. Elle est là. Là, voilà. Tape à 190, donc ça fait très très mal. Alors c'est du beau matos, par contre. C'est du beau matos. Toi, tu m'as vu. Toi, par contre, non. Bien raté, extrêmement bien raté. Eh, mais c'est pas grave. Allez, les deux sont morts, l'affaire est faite. Alors ici, on va monter, on va voir encore une zone avec deux gardes Drake qu'il va falloir tuer au plus rapide. Alors eux, ils sont, ils font très très mal. Par contre, voilà, ils sont pas protégés, donc c'est le moment d'en profiter. Et surtout, ils ont ce sens-là quand ils arrivent au bout d'un endroit où ils étaient. Ah oui, on va pouvoir récupérer toute leur armure. Quand ils arrivent au bout de l'endroit où ils étaient déjà préparés, ils ont tendance à reculer après. Et donc c'est à ces moments-là qu'il faut essayer de les abattre. Alors, on a plusieurs choses. La première, ici, une porte. On va monter un petit peu et on va arriver dans un autre endroit où on aura le boss final. Endroit superbe s'il en est, mais assez dangereux parce qu'on va avoir des petits gardes drakes qui vont être là. Ça, c'est la première chose. Et on va aller finir la petite zone d'en bas. C'est pas une zone qui est très longue. C'est une zone qui est assez courte, mais qui est quand même dangereuse parce que les gardes sont puissants. Alors après, les gardes sont puissants, mais une fois qu'on commence à prendre l'habitude de bien les farmer, ça pose plus de problèmes. Ici, deux choses. Là, j'ai bien l'impression qu'on a un petit mimic. Donc on va faire attention, on va vérifier. On n'oublie pas qu'on a des talismans de Lloyd qui sont là pour ça. Voilà. On a notre pote le Mimic qui est là. Avec un Odaishi et un os de dragon pétrifié. Et là, un coffre normal avec une tablette de titanite. Donc on va se faire plaisir quand même. Hein, on va abattre ce Mimic. Et ici, on va arriver dans une petite zone où on va avoir un joli garde Drake, mais lui, par contre, il a un gros marteau. Un gros marteau, pardon. Un gros marteau. Et un superbe bouclier, surtout. Ce qui va nous poser problème. Vous voyez ? Voilà. En plus, il attaque avec son bouclier, donc... Eh oh. Alors, le grand truc, c'est qu'il faut pas hésiter à se barrer. Hein. Ah, mais non, mais je suis con. Comme d'hab, j'allais dire. Ah, il est chiant, hein. Après, on est devenu puissant aussi. Protéger cette porte là. Et ça va pas être pour rien. Donc alors, on a quand même ici un item à récupérer. Un encens de laté, une herbe crépusculaire. C'est pas des gros items, mais ça sert toujours. Et vous pouvez ici vous protéger de son attaque.
Alors toujours avec le bouclier levé parce que Dark Souls et puis les RNG c'est toujours compliqué. Donc on arrive dans cette zone avec ici un premier coffre. Il y a un esprit sombre qui nous envahit. On va l'attendre tranquille parce que nous on est mages. Et en tant que mage, on n'est pas très inquiet. Il doit être tout là-haut, je pense. Il est là, là, je crois. Voilà, le voilà. Les pauvres, à chaque fois, font la peine, quoi, mais. Effigie humaine, on va redescendre, récupérer ce qu'on n'a pas pris, en faisant bien attention de pas tomber, hein, parce que ce serait un peu con. Je préfère dans des cas comme ça éviter de chercher ce qu'il y a dans le coffre. Parce que si le type déboule rapidement, bah c'est là qu'on se fait avoir quoi. Le troisième anneau draconique, et il y a une vidéo, je crois, je vous ai emmené chercher le deuxième anneau draconique. Donc celui-ci est encore plus puissant. Il permet, regardez, d'avoir encore plus de capacité d'équipement. Et on passe quand même là, maintenant à 1510. On a quasiment 100 de vie plus. Bon, un tout petit peu d'endurance en supplément. Mais par contre, si on compare à rien, par exemple. On passait, on était quand même avant à 1405 quoi. Donc c'est pas mal. C'est toujours intéressant. Petit à petit, de toute façon, vous pouvez vous monter des persos qui auront beaucoup de force, beaucoup d'endu. Et beaucoup de magie. Hein. Demain, si vous étiez, au lieu de prendre ce perso-là, j'aurais pris un perso mage. J'aurais tapé un peu moins fort, mais un mage guerrier, c'est largement faisable. Hein. L'intérêt est d'avoir à peu près 40 partout. Quand vous avez 50, c'est du bonus. Et logiquement, 40 partout, là, c'est quelque chose qu'on peut faire. Hein. Alors ici, on va ramasser l'œuf pétrifié. Qui va nous servir à parler tout à l'heure avec le grand Drake. Ici, on a un coffre qu'on voit à peine d'ailleurs, qui est bien planqué. Avec un parma de garde-dragon. Alors lui, il est intéressant parce que... il est où? Il est là, voilà. Il est intéressant parce que il sera porteur de chance au combat. Ah ben non mais je suis en train de dire des bêtises, mais si je crois qu'il rajoute de la chance donc de récupérer du matériel. Bon, déjà il défend bien à tout, sauf que c'est pas du 100%. Mais logiquement je crois bien hein, qu'il vous rac... enfin, en tout cas dans le Scholar of the First Sin, il rajoutait la possibilité d'avoir plus de matériel trouvé. Pas dans celui-ci, bah ouais, non, je sais pas. Pas dans Dark Souls 2, faudrait se renseigner. Et donc ici, on retombe sur cette petite zone. Avec encore un coffre, le dernier. On y rajoute une arme magique en cristal. Donc là au niveau mage, ça fait plaisir. D'ailleurs, je réfléchis de plus en plus moi à changer. Mais non, bon, j'avais dit que je ferais ça comme ça, je le fais maintenant. Mais c'est vrai que l'arme magique en cristal fait très très mal. Et on commence à avoir le niveau en magie aussi pour pouvoir l'utiliser. Donc ici, alors ça va être une zone un peu complexe, hein. Il va falloir faire attention. On n'oublie pas ici qu'on a notre petite possibilité d'entrer
dans la zone. On peut toujours rentrer dans le... dans ce petit couloir si vraiment vous êtes inquiet. Faut les faire venir, rentrer dans le couloir. Tablier draconique. Ceux-là sont certes les plus chiants, mais pas forcément les plus rapides. Les plus rapides, vous allez les voir arriver. C'est eux, là. Alors, ce qui est fatigant, c'est que donc le boss d'après, hein, quand vous essayez de le tuer, quand vous mourrez, il faut se retaper cette zone, donc c'est toujours un peu chiant. Mon image. Et voilà. Et mine de rien, on tire quand même vite, quoi. Comparativement à un mage, pour le coup. Qui fera de gros dégâts, mais qui tirera beaucoup moins vite. Bon, on a fait déjà une bonne partie. Il nous reste ces gars-là en bouclier. Ils font les jackies, hein, ils prennent pas leur boubou, c'est dommage pour eux, mais c'est préférable pour nous. Il nous reste encore un soldat. Ah, je t'ai même pas bloqué, disons. Je m'attendais à être bloqué. Oh, 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 oh. Faire attention là. Toujours reculer. C'est un peu lâche, mais ça marche bien. Ça marche très bien. Et voici le grand Drake qui nous attend. Dans sa zone, donc là quand vous courez, vous retrouvez dans cette zone là, ils sont bloqués de l'autre côté. Quand vous revenez, c'est un truc à faire, il faut rapidement courir, esquiver tout le monde et puis passer là. Et là on a un Drake immense qui nous attend. Drake très puissant, parce que quand on se met à l'attaquer, en fait au tout départ il nous calcule pas. Deuxièmement on lui fait pas beaucoup de dégâts. Et troisièmement quand il se met à nous calculer, en fait il s'envole. On le voit à peine, le problème il est là, on le voit à peine quand il s'envole, on voit qu'une partie de son corps, mais par contre quand il se met à cracher au sol, il crache du feu, des flammes, et ça prend une très grosse partie du sol. Donc il faut à chaque fois, quand on voit se lever pour cracher, fuir, parce que bah, ses flammes font très mal. Et quand il redescend, faut essayer d'aller derrière lui, et éviter ses pattes, et le frapper. C'est faisable, hein, évidemment, mais c'est complexe. Parce que il faut prendre son temps et aller courir un peu partout. Alors il vous attaquera que si vous l'attaquez. C'est l'avantage. Voilà le cœur de brume cendrée qui est une clé pour la suite des événements. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. On a bien avancé. Je pense d'ailleurs que dans la prochaine vidéo, quand je viendrai le tuer, je recommencerai directement du point de sauvegarde. Parce que le point de sauvegarde, il est tout en bas. Hein. Et une fois que je l'aurai commencé comme ça...
Je vous montrerai comment vite courir pour éviter tout le monde, esquiver tout le monde. Il y a des petites possibilités là, petits chemins assez simples. Donc, enfin assez simples. Toujours faire attention parce qu'au final vous arrivez devant le boss, vous êtes déjà à moitié touché. C'est dommage quoi. Allez, donc vidéo assez courte, mais vidéo quand même. Je vais donc vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne et agréable journée. Et je vais vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, au revoir.